Bonjour amis créateurs, et oui, me voilà de retour après une longue absence, et je me rends compte qu'il n'y a plus grand monde à faire de l'animation 2D en amateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? À part les mastodontes du milieu, comme Colasbeam, Kixama, Yadeotoons, Diapositif et quelques autres, eh bien, bon nombre de chaînes auxquelles j'étais abonné ne sont plus actives. Alors, aujourd'hui, je vais quand même vous présenter quelques créateurs qui n'ont pas lâché l'affaire et que je n'avais pas eu l'occasion de mettre en avant dans mes précédentes vidéos. Allez, commençons avec Scut51, qui est l'un des premiers à s'être abonné à ma chaîne, c'est dire qu'il est dans le game depuis un bon moment. Et il tient bon le cap. Il nous régale avec sa série Minion, une série animée avec un petit côté manga, et il s'est trouvé un style avec des décors très colorés et des arrière-plans en mouvement. Un grand bravo à lui parce que bon, des amateurs qui tiennent une série de déjà 14 épisodes, il n'y en a que trop peu. Passons maintenant à Gupsy qui anime aussi depuis pas mal de temps. On voit d'ailleurs sur toutes ses vignettes vidéo qu'il y a une nette évolution entre ses débuts et aujourd'hui. Il démontre, comme il le dit dans la description de sa chaîne, qu'on peut raconter de chouettes histoires avec des dessins très simples. Et mieux, ça lui a servi pour faire un jeu vidéo. Et oui, animer peut vous amener dans différents domaines. Au tour de Matty, que j'ai découvert plus récemment, et pourtant, il anime depuis 4 ans. On retrouve avec lui l'esprit des cartoons de Looney Tunes de la Warner Bros. Hein, vous vous souvenez sans doute, les Bugs Bunny, Duffy Duck, tout ça. Donc, ce style d'ambiance et de mise en scène, mais avec ses personnages à lui. Et je vous conseille sa plus récente vidéo avec le making-of de son dernier cartoon. Vous verrez que réaliser un petit dessin animé est à la portée des plus débutants d'entre vous. Qui y a d'autre encore? Fluff! Oui, vous avez bien entendu. C'est le pseudo d'un créateur qui anime sur YouTube depuis quelques années, des petits vlogs animés et surtout sa série Radio Toxique, qui atteint déjà ses 10 épisodes. Il réalise tout ça avec l'application Flipaclip, et là encore, il y a un gros travail et de bonnes idées. Eh oh, où est-ce que tu vas là? On n'a pas fini. Donc, dans cette liste de YouTubeurs animation, il y a aussi YouFess. Et oui, c'est celui avec une tête de fion. Lui, eh bien, il a carrément choisi de vous faire rire, et il a réussi très bien. J'apprécie d'autant plus qu'il bosse avec le même matos que moi, tablette Wacom et OpenToons. Comme vous voyez, il anime en format short sur YouTube et ses courtes animations ont un sacré succès. Longue vie à toi, YouFess. Allez, encore deux créateurs et je vous laisse retourner à vos animations. Alors, d'abord, Perturbation Minime, qui vous livre une série animée de 34 minutes quand même, avec un assez bon niveau graphique. Ça s'appelle The Dead and Me, c'est une histoire d'ectoplasme. J'en dis pas plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et je termine avec Raoul Anime, ou Raoul Animé, je sais pas vraiment. Bon, au début, il faisait des tutos animation comme moi. Puis, pour pas me faire de peine, il s'est mis à faire des shorts animés. Et il a bien fait, hein, c'est là qu'il est le meilleur. Il y a de l'humour, et on sent que le gars, eh ben, il maîtrise côté animation. À suivre de près. Voilà, je clôture cette liste de quelques créateurs amateurs d'animation 2D. Encouragez-les en vous abonnant à leur chaîne ou en laissant des commentaires de soutien. Inspirez-vous de leur ténacité pour vous aussi partager votre passion de l'animation le plus longtemps possible. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels animation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !